Salut à tous, on se retrouve pour la partie 2 du Let's Play sur MHF1. Donc j'avais dit que je ferais le Yann Cutcu bleu normalement, je crois. Ça doit être là-dedans. Ouais, c'est. Ouais, tu veux le grand Cutcu. Ouais. Je l'avais fait avec quoi quand même? Je sais plus trop là. Voir ce que j'ai déjà. Ça c'est quoi ça? Épée découpeur. Ouais. Lame golem, je sais pas si j'aurais pu me la faire. Je sais pas. Voyons voir. Attendez, il y a le micro là qui est mal. Alors, ça me fait chier là. Je crois que c'est bien là. Ouais. Ah non, il y a plein de trucs que j'aurais pas pu me faire encore là. Mais il fait rien de cul de cul avec cette épée, c'est un peu de la merde. Je vais aller voir si je peux pas l'améliorer peut-être. Enfin, Yann Cutcu bleu, c'est pas tellement plus fort qu'un Yann Cutcu normal. Hein. Ouais, ouais, de toute façon j'aurais pu, hein. Techniquement j'aurais pu, donc autant le faire. Là. Après ce sera la lame découpeur qui commencera à être pas mal, on va dire. Ouais, mais là, éminerait de faire un cristaux de terre, ça va être un peu le. On va le faire comme ça. Peut-être prendre des sorms si aussi tiens. Ah merde, il est là. Toujours se balader un peu partout lui. Sorms-ci. Là. Transporteur j'en ai déjà un. Il n'y a pas besoin. Hop. Là. Ouais, mais je me demande toujours qu'est-ce qu'il fout le chef du village là à faire. Il est vraiment bizarre quoi. Personne ne sait bien parler quoi, ils font tous des la la ou hindadadur. Ça c'est la petite vieille qui vend les objets, elle fait toujours hindadadur. J'ai jamais compris leur délire au mec. Hop, allez c'est parti pour Lien Kit Cube bleu. Putain, la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'étais une grosse merde, mais vraiment. C'est à dire que j'ai trop galéré pour tuer un Yann Cutcu cul déjà. Parce que déjà je faisais qu'au marteau et je savais pas manier le marteau, donc déjà c'est super. Voilà. Et après le Yann Cutcu cul bleu, mais j'ai eu trop du mal quoi. Genre j'ai dû au moins la recommencer 4-5 fois cette quête quoi. Quand je dis que j'étais une daube quoi. Hop. On prend tous les items importants de toute façon, comme d'habitude. Hop, on va prendre ça. Ça me sert jamais à rien, mais je sais pas si un jour ça peut me servir. Alors. Donc attendez, quelle heure il est là? On va dire, je vais faire, ouais. Parce que j'ai pas regardé la dernière fois pour la première partie, en fait j'ai fait 41 minutes. Donc là on va dire. Ouais, je vais faire 3 quarts d'heure à peu près de vidéo. À peu près, hein. J'adore cette musique, franchement elle est trop excellente je trouve. C'est énorme. Elle est trop bien cette musique quoi, je la trouve excellente. Ouais bon d'accord, foutez pas de moi mais franchement c'est le début de Monster Hunter, du thème de Monster Hunter. Il y a sur YouTube mais le vrai thème complet il est vraiment long. Enfin, ça commence avec cette musique, il y a des petits. Après c'est. Enfin, c'est. Je peux même pas vous expliquer quoi. Faudrait limite que je vous mette un lien. Je sais pas si je vais vous... si je vais le faire. Après, vous pouvez me demander dans les commentaires. Il y a une cucu bleue, alors il doit être soit au 10 soit au 9, je pense. On va prendre un sérum psy pour être sûr, comme ça. On va aller au 9. Oh, j'aime pas le 9 ici. Je vous ai déjà expliqué dans le vidéo test le 9, la caméra est trop merdique. C'est la plus. C'est vraiment trop merdique quoi par rapport à. Par rapport à Unit, heureusement qu'ils ont corrigé ça, quoi, putain. D'ailleurs, j'avais pensé à peut-être, après avoir fini ce Let's Play, peut-être faire un Let's Play sur Freedom 2. Je sais, Unit a déjà été fait, mais pas Freedom 2. C'est un peu con à dire, mais Freedom 2, c'est Unit, on va dire, en plus simple. Hop, je vais l'attaquer, putain, je déteste cette caméra. Et je pourrais même importer ma sauvegarde avec Chaos pour avoir le même personnage. Enfin, je sais pas, après... Déjà je fais MHF1 et on verra après.
Alors, je déteste rebondir là-dessus, là, c'est super chiant. En plus, putain, mais je trouve qu'il... Ce jeu est vraiment plus compliqué que je trouve que le 3R et Unit, quoi. Je trouve qu'ils font vraiment mal, les monstres, même avec des bonnes armures. C'est qu'un Yann cul de cul, quoi. Un Yann cul de cul bleu, c'est de la merde. C'est... Dans Unit, j'avais pas de mal du tout. Là je galère un petit peu, vous voyez. C'est dingue, parce qu'il faut quand même jouer bien pour... J'aurais l'air trop con à... Jouer dans... Enfin... Putain, j'arrive pas à parler, ça m'énerve. Ça fait au moins deux fois ou trois depuis le début du let's play, il y aura le vidéo test. Hop. Crève. Voilà. Je sais pas s'il y a un truc que vous connaissez avec la grande épée, même je crois avec tout, c'est que quand vous avez pas dégainé votre arme et que vous appuyez sur triangle, rond et R en même temps, ça vous protégez directement comme je viens de le faire là. Bon, là évidemment je vais me prendre un coup dans la gueule, donc c'est un peu... Mais la caméra est super chiante, quoi, j'ai pas de bombe de boost. Il faudrait que j'aille fouiller dans la boost tout à l'heure. Ça fait classe à dire. Putain, mais regarde là, je joue comme une merde, quoi. Je suis trop dégoûté. J'ai pas encore fait un seul, à part peut-être le vélocidrome où je suis à peu près bien géré, mais en même temps c'est normal. J'ai l'impression de... En fait, c'est vraiment dans le jeu, je suis une merde, je crois. Parce que dans Unit, je joue à peu près bien, je trouve. Et même dans le 3R, je me débrouille à peu près pas mal. Mais dans le 3R, limite, j'ai plus de facilité devant un Tigrex noir, quoi. C'est ça, je comprends pas. Regardez cette caméra pourrie. Putain. Merde. Putain, mais c'est quoi mes réflexes là? Peut-être parce que je commente en même temps, je suis un peu moins concentré. Pourtant, je m'étais entraîné avant à commenter en même temps de jouer. C'est un peu con à dire, mais ça peut servir. Vous voyez, hop. Ah, il y a les félines qui font chier là derrière en plus. Je sais même pas si je l'ai bien bousillé ou pas. C'est quand on rebondit sur un monstre, normalement ça lui enlève un point de vie. Ah oui, connaissez, je sais pas si vous connaissez ce passage secret. C'est bien pratique pour soigner ou s'aiguiser. Mais évidemment, il y a ces connards de chats qui font chier, quoi. Et pourtant, j'adore les chats. Hein, voilà. Mais dans le jeu, c'est vraiment des cons, quoi, ces félines là. Je peux même pas avoir de compagnon félines. Dans Freedom 2 non plus d'ailleurs. C'est apparu dans Unit. Ouais. Ah, ça me gratte dans le dos là, c'est super chiant. Hop. Non, c'est con. Quoi, je viens de me protéger, c'est quoi cette merde? C'est vraiment con quand même, des fois. Ah, mais regardez, c'est quoi ce délire? Putain. Oh, doucement, il y a une petite tue là. C'est pas parce que t'es bleu que tu dois te croire supérieur, hein. T'es qu'une merde dans le jeu normalement à la base. Hein. Quand on voit le Fatalis blanc, non pas le blanc, il existe pas. Il y a le Fatalis, je sais plus s'il y a le Fatalis rouge, je suis pas sûr. Enfin, je sais qu'il y a le Fatalis. Mais le Fatalis est presque impossible à tuer solo. Je crois qu'il est même... Il paraît qu'il est possible, il y a un tuto sur le Guide Hunter apparemment, le Guide Hunter. Où on peut le tuer solo, il dit exactement l'équipement qu'il faut et tout, c'est un truc de taré. Genre tu passes 3 quarts d'heure à le tuer, quoi. Marqueur a été volé, j'en ai rien à foutre. Putain, mais regardez, c'est pas du tout épique ce combat de merde. Je suis en train de me faire défoncer, vous allez voir, je vais finir par crever. Enfin, super ridicule. Putain, c'est rien de cul. Heureusement que j'ai pris les potions avec moi. Hein. Sinon, je serais mort. Évidemment, je me soigne au mauvais moment. Ça, c'est tout moi, ça. Je suis toujours pressé à me soigner. Et ça, c'est souvent mon erreur. Non, mais. C'est quoi ce délire? Je suis en train... Foutez-vous de ma gueule si vous voulez, hein, j'en ai rien à foutre. Je joue pour le plaisir, voilà, je m'en fous, je joue, je fais let's play, voilà. Oh merde, par contre j'ai pas changé d'armure, j'ai encore mes avant-bras de cuir. Du coup j'ai la tenue, j'ai aucun talent, à part le truc routeur qui va me servir à rien. Donc il faudrait que j'aille reprendre mes avant-bras de cette armure. Ah, il veut s'enfuir, il court comme une grosse merde en fait. Ça fait penser un peu au Gypseros un peu. Vous verrez à quoi ressemble le Gypseros. Bon, en même temps, je pense que vous connaissez. Franchement, si vous connaissez MHF1, je pense que vous connaissez Unit. Hein.
regardais si, si la vidéo n'avait pas bugué en enregistrant, mais apparemment non. Alors, il est au 4. Ah, peut-être qu'il boite, c'est pas sûr. Attendez, je vais m'aiguiser, ça sera plus prudent. Putain, le gros merdier, ma PSP elle est branchée de partout quoi. Il y a des branchements partout quoi, c'est. Moi le poignet. Alors qu'est-ce qu'il faut? C'est pratique de faire un let's play parce qu'on sur là-dessus parce qu'en plus ça me fait des composants et tout. C'est bien pratique. Genre je viens de rebondir sur sa gueule quoi. Vous voyez le truc quoi. Vraiment l'arme de merde. Et pourtant. Enfin si c'est une arme de merde, faut avouer. De toute façon. J'adorerais vous faire les quêtes de la guilde mais. Franchement faut vraiment que je sois avancé, j'ai un pote, mon pote que je vous avais dit là qui avait commencé une partie, il a pas joué depuis depuis en fait qu'il a commencé une partie quand j'étais chez lui. C'est-à-dire il a joué genre, on a joué genre 3-4 heures. Et il a plus jamais joué, il a dû jouer peut-être un petit peu le soir après. C'est un peu un geek des fois, enfin, moi aussi hein. Des fois j'adore Monster Hunter mais il y a des fois quand je me fais putain par exemple ça m'énerve et je coupe le jeu. Et j'aime pas aussi. Ça m'énerve. Oh non, c'est bon. Non oui. Oh coup de bol. Là ça commence, c'est un peu mieux que tout à l'heure. J'en ai marre de rebondir sur lui. Regardez ça, voilà, hop. Heureusement que je suis immunisé quand je suis par terre. Presque. Ça dépend des fois. Maintenant ça me gratte le nez, c'est pas possible. Je suis vraiment pas concentré ce matin. Oui parce que je joue le matin, si vous voulez savoir. Ah il a les oreilles baissées cet enfoiré. Alors, évidemment bon il va à sa caverne. Ça fait combien de temps que je suis dessus? 9 minutes? Ouais c'est. Ouais. Pour avec une arme de merde c'est à peu près potable on va dire. J'attends quoi qu'il atterrit, qu'il s'endorme ou. Bah non, il y a les vélocipèdes qui vont faire chier parce qu'évidemment il y a des vélocipèdes dans cette map. Putain, ils font chier. Bon. Ça va crever, on aurait des bleus de poulet. Poulet reptilien de merde. Putain, la première fois que j'ai vu Yann Cucu, en plus j'avais peur de lui, j'ai fait oh, comment je vais faire pour me battre contre lui. C'est la bestiole la plus conne après le vélocidrome et le bulldrome. Mais le bulldrome n'existe pas dans le jeu. J'ai remarqué dans tous les autres matchs, il n'y a aucune armure bulldrome. C'est étonnant. Il y a des armes, mais il n'y a pas d'armure. Je comprends pas. C'est marrant d'avoir une tenue pas cochère. Il y a le masque du Fango. Non. Hop. Il y a le masque du Fango, mais après. Attends, là, il peut crever à n'importe quel coup. Putain, elle crève, voilà, c'est. Il y a les vélocipèdes qui vont faire chier autant les côtés. Putain, je déteste les vélocipèdes, je voulais pas savoir. Putain. Évidemment, les me font chier. Bon, je vais essayer de dépecer, des fois j'y arrive. Bon, d'accord, là si. Bon, là je suis indestructible, hein. Merde, pourquoi je fais comme ça? Ça va plus vite quand on est à côté. Putain, et plus qu'un item. Et voilà. Même pas besoin de les buter ces enfoirés. Non. Bon, bah je fouille par terre. Les caïcules. C'est un peu rien. Comme fou. Hop. Aïe, ça me fait mal au poignet à force. Dans le micro, rien d'autre à faire de toute façon. Ce serait bien pour la minute de fin en fait, on peut quitter quand on veut. Comme ça on n'est pas obligé d'attendre une minute. Ou alors on peut attendre plus longtemps si on a un truc à faire quoi. Tant que t'as fait ta quête, tu peux rester dans le monde pour aller faire des quêtes collectes et tout, ça serait pas mal. Hurleur, hurleur, petite os monstre, ah poisson. Oh ouais putain, c'est bien ça. C'est un peu con, mais les petits os monstres, c'est facile à avoir mais du coup en général, en tout cas je suis comme ça. Pardon, c'est on a la
Ah, vous voyez, là, je viens de débloquer le marteau d'entraînement cul de cul. Voilà. On a la flemme des fois de choper des trucs faciles, quoi. On se dit, ouais, c'est facile à avoir et tout, et quand on a besoin, et bah, t'es dans la merde. Voilà. Ce que je déteste, c'est genre la plâtre à Talos quand t'en as une et tu sais pas quoi en faire, quoi. Si genre t'as une arme que t'as envie de te faire, il y a une plâtre à Talos qu'il faut avoir dedans, mais à côté il y a une autre arme encore, t'hésites avec. Parce qu'une plâtre à Talos, ça se trouve souvent dans la queue du Rathalos. Personne ne rigole, s'il vous plaît. C'est quand on la dépèse, souvent on tombe sur une plâtre. Je vais ranger mes items. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. J'aime bien cette musique, vraiment. Alors, la prochaine quête, c'est quoi? Je crois que c'est pas celle. Attends. Et un peu plus que j'ai fait. Enfin, j'ai fait ce qu'il fallait faire, quoi. Parce que sinon, on se fait chier pour les quêtes. Attraper un Yann cul de cul. Est-ce que je vous la fais? Bah, non. Ouais, je sais pas. Je le ferai peut-être plus tard, mais pas tout de suite. Deux vélocidromes, non. Le céphadrome. Je vais peut-être vous faire le céphadrome maintenant, ce sera fait. Ouais. Bon, je vais vous faire le céphadrome, mais je crois que je l'avais fait avec cette arme d'ailleurs. C'est quoi ça? Je vais voir si je peux pas me faire d'autres armes. D'autres armes pourries aussi, pour vous montrer un peu d'autres trucs. Créer armes. Ah si, en arme normale, là, enfin en arme normale, je suis con. En épée bouclier, je peux vous faire la dague de chasseur. Quand on l'améliore un peu, et à un moment, c'est un peu dans le vert, ça... J'en ai fait pas mal des céphadromes avec. Bon, je vais la faire. Couteau de chasseur. Bien. Hop. Couteau de chasseur plus. Dague de chasseur. Voilà, 3 minerais de fer et 2 cristaux de terre, c'est... Je vais aller à la ferme, d'abord, avant la prochaine quête. Bah cool, qu'est-ce que tu veux ? J'ai rien d'autre à rénover. Oh, les quêtes pêche, hop, on va l'améliorer, même s'il me sert à rien le quête pêche. Ça me sert quasiment à rien, franchement. On en est où, là ? Un quart d'heure de vidéo, à peu près ? Voilà. Je vais aller miner d'abord, de toute façon. Bah de toute façon je fais que ça, hein. Donc je mine aussi en haut, hein, même si j'aurais pas débloqué, ça m'évite de faire des quêtes collecte. Par contre c'est super lent quand voilà. Super lent quand on mine à la ferme, tandis que quand on voit par exemple Troya, voire même je crois qu'Unit est pareil, ça va bien plus vite à la ferme. Vous voyez, là je peux donner encore un coup de pioche, mais il n'y a plus rien. Bon, regardez, voilà. Il n'y a plus rien. Alors que dans les autres, tu peux même plus piocher, quoi. T'as pas besoin de piocher une autre fois pour voir qu'il n'y a plus rien. Parce que souvent, c'est soit trois coups, soit quatre coups. Après, t'as plus le droit. Mon premier personnage, il s'appelait. Attention, ne vous foutez pas de ma gueule. Je l'avais appelé Brian. Brian, quoi. Mec. Oui, j'étais assez bien avancé, sauf que j'ai revendu toutes mes anciennes armures et tout, j'avais que l'armure Garuga à la fin. Enfin, j'avais fini les quêtes du village, sauf la quête Rathalos Argent Raffian Or. Et voilà. Ouais, bon, ça va aller vite. Bon, je vais la faire avec cette arme encore. Enfin, le faire. D'ailleurs, le céphadrome, c'est la quête urgente pour passer aux quêtes 3 étoiles. Alors, attends, je vais peut-être passer là. Le requin intéresse, voilà. Nos animaux de trait ont été dévorés par quelque chose, mais personne n'a vu le monstre alpha. Trouvez-le et tuez-le. Parce que je déteste, c'est qu'il y a une quête dans le désert aussi. C'est les foies de nageurs. Livrer 3 foies de nageurs. Tu dois buter des... Bah, c'est les petits... les céphalos. Mais c'est super chiant, quoi. Oh, merde. Attendez, j'hésite à abandonner la quête, là. Parce que j'ai pas pris de... Sonic Bomb, de Bomb Sonic. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir déjà combien il nous en donne. Je crois qu'il nous en donne 2. Non, je vais la faire parce que à ce moment du jeu, j'avais pas de Bomb Sonic. Donc,
faudrait que je passe à la cuisine des fois, ça peut m'aider. Voilà. Je crois qu'en fait, il est... Quand j'atteins le bout du 2, en fait, il apparaît à ce moment-là. À peu près. Dans le timing... Merde, par contre, j'ai pas bu de mon breuvage fraise, donc je risque un peu de crever, là. Non, je le connais par cœur, hein. Je l'ai buté 11 fois hein, pour l'armure. D'ailleurs, après, je vais changer d'armure, je prendrai son armure. Son armure, t'as l'air d'un homme poisson à moitié dedans. Ce qui est étonnant, oui, vous allez peut-être y penser, c'est que je fais pas l'armure cul-de-cul. Pourtant, c'est souvent le truc qu'on fait. Mais j'ai préféré faire la céphalos. Parce que cul-de-cul me faisait chier, j'en pouvais plus en faire. Pardon pour les mots vulgaires, bien entendu. J'espère que Chaos, ça rend bien, parce que j'ai un pote, il est spécialiste dans... Enfin, oui, alors attendez. Là, j'ai bu un truc frais, mais c'est comme si je fais quand même le geste comme si j'avais chaud. Merde, il est là. Donc, je disais donc, j'ai un pote, il trouve que les noms que je trouve comme personnage, c'est des merdes. Bon, je dois avouer, dans le 3R, j'en ai appelé un Drago. Bon, Drago, c'est pas terrible. Là, Chaos, je trouve que ça fait un peu près classe, il trouve que c'est un peu pourri. Oh merde, il aura sauté quand même. Je trouve que ça fait un peu pourri. Il trouve que Exira c'est pas mal, par contre Shinola c'est de la merde, ça fait un peu DS, DS quoi. Brian, j'étais d'accord avec lui, c'était un nom de merde. C'était mon premier personnage, j'avais jamais joué à Monster Hunter de ma vie, je savais même pas à quoi ça ressemblait, j'avais jamais entendu parler. Et c'était ce jeu là, c'était payé le premier, alors que la plupart des gens payent Unity. Oh merde. Donc je continue à repasser une annonce pour ceux qui auraient genre zappé le moment dans ma partie 1. J'aimerais bien, si vous avez MHF1, que vous avez le Pro Online client, si quelqu'un pouvait le tester avec moi, parce que personne ne l'a testé encore. Sur PSP Gen, je m'appelle Tolar, T-O-L-A-R. Vous pouvez certainement me voir, si vous êtes sur PSP Gen, vous pouvez me voir souvent. Sur les forums genre l'S4InXCraft ou... Pro Online, liste des jeux compatibles, Pro C, des trucs comme ça. Pro C, la lettre. Pas à peine de chercher, j'ai pas de Facebook ou de Twitter. J'ai pas un gros geek là-dessus. C'est pas bon. Merde. J'ai Skype par contre. Mais je vous le dirai pas non plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un rapport avec Monster Hunter, voilà. Je vais me soigner. J'ai pas envie d'avoir 15 personnes qui se mettent sur mon Skype juste pour me faire chier. Faut que je les connaisse un minimum. Surtout que je communique souvent sur ma PSP avec Skype, et pas sur mon PC. Parce que évidemment, mon PC qui est à moi, je peux pas avoir internet dessus. Je dois passer par l'ordi de mes parents en fait, pour mettre en ligne les vidéos. Là je suis sur mon PC, qui est dans ma chambre. Et putain, il est chiant là, le céphalos. Je suis sur mon PC qui est dans ma chambre et en fait je peux pas avoir la wifi dessus, il est incompatible avec les clés wifi, je sais pas pourquoi. Ça peut marcher que par Ethernet, le câble Ethernet, sauf que le câble Ethernet ne peut pas être dans ma chambre, donc voilà. Là je dois mettre ça sur une clé USB et mettre sur l'ordi de mes parents, c'est assez chiant mais bon. Ah voilà. Voilà. Hop. Il est pas très compliqué ce monstre, hein, franchement, mais il est chiant. Non, oula, c'était pas mal, je suis content de moi. Donc, je vous dis tout de suite, si vous avez l'idée de faire des let's play, des trucs comme ça, c'est... Enfin, je vous dis, ça paraît logique, mais c'est bien mieux de commenter en direct que commenter pas en direct. Vous voyez, je commente en direct, pas en direct, c'est pas pareil, parce que tu vis pas l'action en même temps. Tu commentes avec l'esprit un peu ailleurs quoi. Donc, voilà. Surtout que ça te fait perdre un peu de temps, c'est-à-dire si ton let's play fait une heure, après t'es obligé de commenter une heure après. Hop. Et c'est bien mieux de brancher son micro et tout. J'avais bien galéré pour le son, je me rappelle à trouver la manip pour l'avoir. Plus parce que. Enfin, voilà. Là le son est pris directement depuis ma PSP par les enceintes, je sais même pas trop comment ça marche en fait, mais ça marche. Bon il crève là, enfin il va plus.
Et normalement il a sa nageoire qui est dorsale qui va se baisser quand il va être faible. J'aime bien quand il est longtemps au sol parce qu'après il peut faire le gros pont et se replonger dans le sol. Il faut vite l'en empêcher surtout. C'est pour ça qu'il faut prévoir des bombes soniques quoi. C'est comme avec le CLS et le Plesio. C'est pareil. Parce que dans le jeu, le Plesio il est chiant. J'ai même pas le courage de le faire, mais bon, il est chiant. Putain, je l'ai tué. Je m'attendais pas du tout à ça, dis donc. Bon. Je vous dis pas comment je me suis fait du fric. J'avais genre 20 nageoires céphalos et tout. J'en ai vendu la moitié. Fois de nageur. Ça va être. Ça me rapportait des points de guilde normalement. Ou non. Des points. Écailles céphalos, voilà. Des points. POC. Non, pas POC, putain. Kaïcéphalos. Des points Kokoto. Kokoto. C'est vraiment la première fois que j'ai entendu Kokoto. Quand j'étais petit, j'avais joué à un jeu qui s'appelait Kokoto sur PlayStation. C'était un jeu de bagnole. Mais un jeu de bagnole. Pas un jeu de bagnole sérieux quoi. Genre t'as des petits monstres dedans et tout. Je jouais avec un pote quand j'avais genre 9 ans, 10 ans. Voilà. Je suis moitié fatigué là. J'ai même pas vu combien de temps j'ai passé à le tuer. Ouais. Tac, moyen osmonce, moyen osmonce, grand osmonce, chrono nageur, chrono nageur, chrono nageur, mâche chrono nageur. Un grand os monstre et tout, ça peut servir, c'est pratique. Moyen os aussi. Pour les os de monstre plus, c'est plus compliqué, mais vous pouvez l'avoir, vous pouvez en avoir au moins 2-3, je crois. Quand vous faites la quête à la guilde, plusieurs yens que tuez autant de yens que vous pouvez dans l'arène, il y en a deux en même temps. Je le fais avec un pote, je le faisais avec un pote à l'époque. Et quand on en tue 10, on gagne genre 2-3 os monstre quoi. Plus des trucs cul-de-cul. Et ça vous fait pas mal de fric si vous revendez tous les trucs cul-de-cul après. On a 20 minutes, on avait réussi je crois à... Non, une demi-heure, 20 minutes, je sais plus. A tué 11 yens cul de cul une fois. Comme des gros bourrins, c'était excellent. Excellent. Donc ouais, je vais aller ranger mes affaires. Hop, ranger objet. Ok, céphalos. Alors des fois j'ai regardé la partie 1 de mon let's play. J'ai vu que des fois ça ramait un peu, à moins que ce soit mon ordi. Mais si ça rame un peu, c'est-à-dire si le nombre d'images par seconde est un peu saccadé, je peux rien y faire quoi. Je suis désolé. Je vais peut-être reprendre des potions. Tiens. Ah, j'avais dit que je prendrais l'armure céphalos d'abord. Ensemble équipement. Ah non, non, je l'avais pas enregistré. Casque céphalos. Voilà. C'est quoi le casque que je m'étais fait là? Masque, j'en prêt. Ah ouais. Je m'étais toujours pas commencé l'armure Garouga. Bah, je vais passer à la ferme pour essayer d'avoir ma dague de chasseur parce que je l'ai souvent utilisée. Je me rappelle à ce moment du jeu. Donc je ressemble à un homme poisson, c'est assez classe. Hein. Non, je déconne, c'est pas classe du tout, ça fait vraiment gros con. L'armure que j'aurai après, ça sera l'armure. Bah Rathalos. Et c'est là que... Enfin de toute façon, avec l'armure céphalos, vous aurez bien une autre partie après. Ça va assez vite hein, en fait hein, d'enchaîner les monstres. Minerai de fer, c'est bien, il me faudrait un cristal de terre. On va monter. Hop. Super vite le mec. Alors, ouais, quand je parlais des nombres d'images par seconde, le chiffre qu'il y a écrit quand je recorde sur Crystal Lumière, pas mal ça, que quand je recorde avec Frappe, c'est écrit 30, donc je pense que c'est 30 images par seconde. Mais je suis pas sûr, parce que des fois ça bouge un peu en fait. Ouais, des fois ça me fait 29, 30, 31, ça dépend. Tout à l'heure, bah, j'ai dû couper, j'avais fait la quête du Gypseros, enfin j'avais commencé. Et au bout d'un quart d'heure, il était toujours pas mort, il y avait les Bufongos qui me faisaient chier et tout. Donc j'ai préféré
préféré couper. Et à la place, je vous ferai le gypsource dans la partie 3, et là je vais vous faire une quête de minerai. Je vais vous faire la plus simple pour l'instant. Faire celle-là. Je suis à la recherche de nouvelles saveurs, je vais essayer des œufs d'Apséros. Commençons par en manger 3, merci d'avance. Elle est assez facile cette quête. Hein. Il y en a une plus dure après, que j'ai pas trop envie de vous faire là parce que aujourd'hui je joue un peu comme une merde en fait. Et donc je vous la ferai certainement dans la partie 3. La partie 3 que vous aurez je sais pas quand. Certainement d'ici lundi je pense. Peut-être demain. Je vais vous faire comme si on était jeudi parce que je la posterai jeudi, donc ce sera soit demain soit lundi. Voilà. Peut-être au plus tard, je pense que ce sera mardi, mais vraiment, j'essaye de les mettre le plus rapidement possible. Hop, putain. Bon, là, c'est juste livrer 3 œufs d'Apséros, y'a rien de. Y'a peut-être une raffiane dans le niveau, mais on risque quasiment rien. Mais je suis même. Non, je crois même pas qu'il y en a. Je crois que je confonds avec un autre niveau. Hop. Alors, attendez, pas oublier de prendre un breuvage frais, sinon t'as l'air con. Et on court au 8, je crois que c'est au 8. Attendez. Tac. Hop. C'est la toute dernière. Enfin. En fait, en général, je fais 3 quêtes par partie, je crois. Bah oui. J'ai fait quoi là? J'ai fait Yann Cutcu bleu. J'ai fait quoi après? Merde! Attendez, j'ai. J'en ai fait un autre après lien de cul bleu. Oui, le céphadrome, voilà. Et après, c'était cette quête là. Attendez, j'ai un gros doute là depuis tout à l'heure. Ouais, bon. Là normalement il y a des Apséros ou des Apnotos, je sais plus jamais le nom, je confonds toujours. Quoique, ouais non, il faut tous les tuer, c'est mieux. Comme ça on est sûr d'être pas emmerdé quand ils nous donnent des coups, c'est super. Non, il est pas mort, putain. Putain, il meurt. Vous voyez là, ils viennent super lentement vers vous, mais en fait, ils sont super chiants. Ça me gratte le bras en plus. Ça a peine de me gratter aujourd'hui. Une heure là. Je pense qu'il est mort. Non, il est pas mort. Tous les temps qu'on peut pas le traverser, c'est-à-dire qu'il est encore là. Il n'y en a plus qu'un. Mais je crois qu'ils apparaissent une deuxième fois après, donc je crois que je l'ai tué une deuxième fois. Voilà. Je commence à avoir la dalle, parce qu'il va être midi. En fait, j'enregistre toujours une partie le matin. Je vais me réguiser maintenant, ça sera fait. Ouais. De la bouse, non, c'est pas ici. Attendez, il faut que je le retrouve. Ah, c'est plus. Non. Ah, mais j'ai l'air con là en plus. C'était bien ici. Bah oui, c'est bien ici. Vous allez voir que non. Putain. Bon, ça me. Avoir un doute si c'était pas au 9. Oh non, franchement, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Bah non, c'est de la bouse, donc je crois que c'était au 9. Bon bah je vais aller voir au 9. Les boules. Là j'ai un peu les boules là. Je comptais faire la partie 3 après, mais j'aurai pas le temps du coup. À cause de toutes mes conneries que je sais même pas jouer, j'ai l'impression. J'avais cru voir un monstre, mais en fait non, c'est un palmier. Je suis un gros parano, moi. Ça doit être ici. Putain, j'étais sûr que c'était au 8, c'est étonnant. Bah, sinon, je l'aurais vu.
Mais là je dois encore me faire 3 Abséros quoi normalement. Ah non. Vous allez voir que c'est pas ici que j'avais raison. Mais non, c'est pas ici. Mais c'était au 8 alors. Attendez. J'ai bien pris Euther Vivre. Bah. Attendez. Parce que là, sinon, ça va pas le faire. bon. En plus, je suis en train de perdre de l'endurance. C'est quoi ça? Ah, c'est des jeunes prêts. Ou des gens prêts, c'est comme vous voulez. Je sais pas comment. Mais non, c'est au 8. Oui, c'est au 8. Je crois que c'est au 8 en fait. Je suis en train de perdre du temps pour rien. D'habitude, je le trouve direct. Ça, je comprends pas. En plus, j'ai la dalle là, putain. Non, c'est censé être là, les œufs. Ah, c'était là, putain. Derbivore. J'espère qu'ils vont pas trop foncer vers moi. Heureusement que j'ai le talent routeur. Ouais, non, c'est bon. Ces enculés, ils peuvent te charger, ces enfoirés. Je laisse. Je sais plus comment on fait un méga jus, faudrait que je voir sur internet. Ah putain, je l'ai plus devant le nez là, le micro, ça. Voilà, c'est bon. Là, faut faire gaffe à ce que les gens. J'aime prêt, ils te fassent pas chier. Je veux dire, j'aime prêt, tiens. J'aime pas. Ouais, c'est pas. Au pire, vous comprenez. Aussi étonnant soit-il, j'aime bien ce genre de quête, hein, c'est con. Ils sont où les gemmes près? C'est bizarre. Où sont... Oh, y en a un au fond là. 3. Pire, c'est pas grave, c'est tant mieux. Bien plus pratique. Là c'est la dernière ligne droite avant d'arriver au camp. Non, là ça va être plus chiant là. En fait faut bien courir au milieu. Il faut pas s'arrêter de courir, enfin, sauf pour recharger un peu sa vigueur. Mais vous voyez là, tant qu'il vous voyez pas trop, faut en profiter à mort. Voilà. Alors évidemment quand il y a un ça peut arriver qu'il y ait un céphalos qui vous fonce dedans, c'est rare, ça m'est jamais arrivé encore. Mais ça peut arriver. Vous voyez là faut passer sous cette petite arcade. Petite. J'ai la dalle, j'ai des crocs. Putain, j'aurais galéré pour cette partie 2 là. Putain, là ça fait plus d'une heure que j'y suis en fait. Pour vous, non, ça va faire genre 3. Ça va faire une partie de 3 quarts d'heure, mais. Là, ça fait en 6 minutes. C'est-à-dire que ça prend 2 fois, ça prend vraiment pas beaucoup de temps pour amener un œuf. Hein. Il m'en manque 2 encore. Je pense que tant qu'il y a des quêtes d'œufs comme ça, je vous la ferai en dernière quête de la partie. J'avais bien raison tout à l'heure. J'avais pas trouvé en fait. Je me doutais bien, j'avais un gros doute en fait. Donc si genre il y avait une quête que j'ai pas faite et que vous avez envie que je fasse, vous pouvez me laisser un commentaire.
après je verrai si je la fais ou pas. Mais dépêchez-vous, parce qu'en général, quand vous voyez genre, quand vous allez voir cette partie, la partie 3, ça sera certainement déjà faite. Je l'ai fait tous les matins quasiment. En fait, je l'ai fait le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et là, on est mercredi, ouais, parce que là j'ai eu mes défauts le mercredi, je peux pas donc. Là. Et le week-end, je peux pas non plus. Soit je pense qu'en 2 semaines, vous aurez 6 parties quoi. Ça sera bien avancé déjà. D'ailleurs, ce sera par là que ça sera en stand-by, je pense. Il faut trop que j'y joue à ce jeu, parce qu'en ce moment, je suis retombé un peu dans le 3R. Mais il faut trop que j'y rejoue pour avancer quoi, parce que sinon, ça va pas le faire. Je me rappelle ma première quête comme ça que j'avais faite. En fait, la première fois que j'ai commencé, j'étais allé chez un pote, il m'a copié le jeu sur ma carte mémoire. Et je me suis fait un personnage et on est directement allé à la guilde. J'avais même pas d'équipement ni rien. Enfin, j'avais une arme de merde quoi. Et on a fait cette quête, une quête dans le genre. Et c'était trop marrant parce que c'est moi qui courais et c'était lui qui me protégeait des monstres et tout. Et à la fin, j'étais totalement dans le rouge. C'est-à-dire, j'étais obligé de marcher comme ça quoi. Et comme ça. Et c'était assez comique, on s'en souviendra. Il y a des moments de Monster Hunter, on s'en souvient trop quoi. Genre on était en train de se battre contre un Gravios, une fois j'avais un marteau, le Gravios allait jeter il allait cracher du feu en gros sur mon pote qui avait des étoiles autour de sa tête, qui était à moitié dans les vapes quoi. Et moi j'ai donné un gros coup de marteau, je l'ai propulsé, c'est moi qui mort à sa place. Ça faisait trop classe quoi. Le deuxième va bientôt être livré. Ah, elle fait chier la dame gourmet quand même. En même temps, n'appuyez pas n'importe quoi sur quel bouton. Hein. Si vous appuyez sur rond, ça vous fait tomber. Ah, sur X, vous faites une roulade, vous faites tomber l'œuf. Et sur rond, vous le faites tomber. Et triangle, je me rappelle plus, j'ai pas envie de tester. Hein. Je crois que ça fait rien, mais je suis pas sûr. Donc. Et bientôt fini, plus qu'une. C'est un peu long les chargements. Je commence à être habitué d'ailleurs. Voilà. Donc là j'ai passé même pas 10 minutes là. À peu près 4 minutes en fait à chaque fois. Ouais c'est ça. Ouais, c'est à peu près ça. 3 minutes, 4 minutes. Donc là encore je dirais 5 minutes de vidéo. GTA Liberty City, je pense que je vais retester pour voir si je peux faire des vidéos dessus. Après, je pourrais vous faire genre une vidéo commentée, mais une seule, ou je sais pas, je verrai. Pour ceux qui aiment GTA, évidemment. Je voulais faire le let's play, en plus c'est facile, c'est une histoire, il n'y a pas besoin de se faire des armes et tout, tu peux juste les acheter. Bien plus pratique. Voilà. GTA, là, vous voyez pas. Et là je dois être à la bonne moitié du jeu, je suis à 7 heures de jeu quoi. Je pense que ce sera un truc de 13, 14, 15 parties. Si je le fais. Apparemment avec un CSO, ça marche, ça bug Remote Joy. Ça saccade à mort. Je savais pas. J'étais étonné, je fais oh non, je croyais que c'était mon ordi qui buguait à la base. Mais non. Alors, hop. Allez. Je commence à avoir vraiment faim, donc je suis pressé de finir cette quête en fait, je vais vous avouer. Je vais la foutre à compresser juste après. Et je vais les bouffer. Cool ma vie. Effet du breuvage frais expiré. Oh. Ouais, vous savez quoi, je vais me reprendre un breuvage frais, je vais le faire tomber exprès. Parce que sinon, je peux crever, quoi. Quoique. Ouais, non. Non. C'était pas rond, en fait, pour le faire tomber. Pour dégainer son arme, ça le fait tomber.
Et pour faire une roulade avec X, ça faut tomber. Voilà. Je vais me le reprendre parce que sinon c'est mort. Enfin, je pense que j'aurais pu le faire, mais vaut mieux être prudent dans la vie, quoi. Hop. Je dis souvent hop, je viens de remarquer. Hop. Allez, on se prend ce dernier œuf. C'est bon, je vous pique pas. Je vous laisse vos petits enfants après. Les autres, on va les bouffer, c'est pas grave. Vous pouvez les crever. Ouais, donc prochaine vidéo, je commencerai certainement par le Gypsera, je pense. Et peut-être la quête de minerais là que je vous avais dit. Et je vais peut-être vous faire genre le Rathalos, certainement. Ce sera certainement le Rathalos, je pense. Avec l'armure Céphalos. J'ai un petit peu galéré avec l'armure Céphalos. Ouais. Parce qu'on peut pas améliorer les armures, c'est pire. Et c'est pas pratique du tout en fait. Et faire une armure, c'est super chiant. Donc voilà. Attendez juste une seconde. Voilà, donc je disais donc, parce que là j'ai dû couper un tout petit peu pour le téléphone encore. Hop, attendez. J'espère que le micro est pas trop près. Je vais me dépêcher de finir cette quête là, parce que j'en ai un peu marre en fait, je dois vous avouer. Depuis tout à l'heure là, ça va faire une heure et demie que j'y joue là, j'en peux plus. Je suis vu, ça devait être la Raffiane, je pense. Je pense que c'est une Raffiane. Dernière ligne droite, j'ai un peu moins de vigueur. Pas grave. C'est bon, c'est qu'une ligne, la dernière ligne droite. On a l'air vraiment con en fait quand on court. Ouais, salut, c'est moi. Et quand t'es une nana, tu fais des petits pas comme ça, con. Mais des fois, Monster Hunter, c'est vraiment con quoi. Tu bois une potion, tu fais les muscles. La première fois, ça m'a fait trop rire. Tu bouffes un steak à point, tu vas te tapoter le ventre quoi. C'est trop comique. Et c'est bientôt fini là. Normalement il y aura 20 secondes de délai à la fin puisque c'est une sorte de quête pour collecter des trucs. Normalement c'est une quête de chasse, c'est une heure. C'est une minute, pardon. Et c'est 20 secondes quand c'est une quête comme ça normalement. Allez, dernier minerai. Attendez, je regarde juste le temps. Ouais, j'aurais passé 14 minutes. Là, ça doit vous faire à peu près 3 quarts d'heure de vidéo par là. Et on peut en faire des combos quand même, c'est pas mal. Vous voyez, là je vais appuyer sur triangle, rond et R en même temps. Vous voyez, je suis déjà... Je sais pas... On voit même pas le truc quoi, il va tellement vite. Oh. Il y a un truc trop con. Voilà, vous voyez, là j'avais dégainé mon arme, ils ont pas fait l'animation pour quand je la range quoi. C'est-à-dire, j'ai dégainé mon arme et d'un coup je fais les muscles et tout est rangé quoi, normal. Parce que le mec qui fait les muscles, c'est super con, évidemment. Miel, oh cool, beaucoup de miel, c'est pas mal. Récompense, ouais. Moi ça me fait gagner du fric. Sauvegarder. Évidemment, je sauvegarde quand même. C'est quoi ça? Bon, allez. Moi, je vous dis à bientôt pour la partie 3. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, postez des commentaires si vous voulez. Mettez j'aime. Enfin, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. À bientôt pour la partie 3.